Ils sont au total 20 lauréats coiffeurs-coiffeuses à être distingués par l'association RACEJ. Cette cérémonie de distinction s'est officiellement déroulée ce samedi 24 novembre 2018 à Godomé, en présence des autorités locales et les différents artisans. Victorin Akizano, président de RACEJ, nous précise ici l'opportunité de cette cérémonie. Cette cérémonie de distinction est donc un hommage qui vous est rendu et constitue du coup un signe précurseur et de reconnaissance de votre métier qui doit sonner le glas de l'union de tous les coiffeurs et coiffeuses esthéticiens de l'arrondissement de Godomé. Arnaud Doyon, parrain de l'événement, a non seulement fait l'historique de cette organisation, mais aussi a exhorté ses coiffeurs-coiffeuses à avoir l'amour de ce métier. La coiffure peut nourrir celui qui la pratique. Et celui qui pratique la coiffure selon les normes. Donc, je vous invite à pratiquer selon les normes, à avoir l'amour de la profession. Les artisans chez nous au Bénin constituent une classe sociale importante. Et sans cette classe, il ne peut pas avoir de développement. Après avoir reçu leur diplôme de distinction, les bénéficiaires, très ravis de cette initiative, ont adressé un sincère remerciement aux organisateurs à travers la voix de Ernestine Assogba Fadeyon pour la réussite de cette cérémonie.